Vous allez m'esquiser, vous allez vraiment nous esquiser pour cette interruption. Donc, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. Donc, ces derniers temps, ces histoires ici sont revenues encore. Donc, je ne sais pas pourquoi comme ça. Donc, ça ne devait pas censé être comme ça. Voilà, donc, nous allons quand même continuer sur ce qu'on avait déjà commencé à parler ici. Nous avons lu 3 chapitres. Donc, ça veut dire la première, vous savez, c'est 1 Timothée chapitre 2. Nous avons lu ça au complet. Nous avons lu Éphésiens chapitre 4, du verset 22 jusqu'à la 20. Et nous avons lu Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Et notre titre que nous avons mis là-bas pour ce dimanche béni, c'est quoi? C'est la perversion. Cela veut dire pervertir, qui vient du mot pervertir. Cela veut dire changer la forme d'une phrase, ou soit d'une déclaration, ou soit, cela veut dire, on peut même donner ça en définition en plusieurs formes. Cela veut dire la source de la perversion, si nous pouvons dire, cela veut dire changer l'originalité de la chose ou de la parole ou d'un être humain pour chercher à soutirer ce qui est en lui, ou soit chercher à détruire ou à nuire à sa vie, vous comprenez, ou soit à détruire son influence. Tout ça, ça fait partie de la perversion, vous comprenez, donc cela veut dire la perversité. Donc c'est une mauvaise chose, vous comprenez, qu'on ne peut pas faire à son semblable. Donc voilà. Mais nous avons vu que cela a commencé avec qui? Cela a commencé avec les malins. Vous comprenez? Et Dieu, dans sa volonté parfaite, il a regardé ça si c'était comme, si c'était bon à ses yeux, alors que ce n'était pas bon à ses yeux. Mais il a laissé passer ça comme une volonté permissive. Il a permis ça afin de manifester les attributs qui étaient en lui. Parce que beaucoup de gens posent des fois de telles questions et ils s'accompagnent avec les incrédules qui essayent de dominer sur eux pour leur faire voir, c'est comme si Dieu est en erreur. Vous comprenez, alors que c'est la fausseté. L'Éternel, quand on parle de Dieu, avant qu'il puisse être Dieu, il était l'Éternel et il l'est. Il l'est pour toujours parce que l'Éternel ne change pas, il ne dépend pas du temps. Donc, c'est éternel. Dieu de toute éternité. Alors, nous avons compris que non, le Dieu de toute éternité, donc cela veut dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis cette perversité, vous comprenez, la perversion, pour qu'il puisse enfin démontrer au malin qu'il était juste un vase d'un usage vil pour manifester les attributs de Dieu. Comprenez, pour être Dieu, l'éternel, l'adorable, vous comprenez, le Dieu tout-puissant, pour manifester l'attribut d'un rédempteur, vous comprenez, l'attribut de rémunérateur, l'attribut de sauveur, l'attribut de guérisseur, l'attribut de tout ce qui sont comme les attributs de Dieu, comme nous les citons en disant cela, vous comprenez, d'être Jéhovah, vous comprenez, devenir comme Jésus. Voilà, et devenir comme un Saint-Esprit, vous comprenez, donc c'est un peu ça. Donc il a voulu à ce que non, ce fils qui vont sortir de lui, les élus, puisse croire et que le monde voit la foi de ces élus en lui et qu'ils voient Dieu qui se manifeste en eux. Vous comprenez, par tous ces attributs, lui, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Shalom, Jéhovah Sabaoth, vous comprenez, Jéhovah dans toutes ces attributions. Voilà, donc c'est ce qui a fait en sorte que non, Dieu l'a permis. Comme les gens pouvaient se poser des questions, c'est pourquoi nous avons essayé un peu d'expliquer ceci. Voilà. Donc, la perversion, nous avons vu tout ce qui a perverti, qui amène l'égalité que les diables avec leur pyramide des illuminati que nous avons mis là-bas,
et en expliquant comment est-ce que leurs secrets sont, pour comment est-ce qu'ils ont commencé, quand est-ce qu'ils ont commencé. Nous avons tout expliqué. Et leur objectif aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi ils veulent qu'il y ait la parité entre l'homme et la femme? Vous comprenez, dans la société, dans les gouvernements, dans la famille, ainsi de suite. Nous avons vu que ça crée des divorces, ainsi de suite. Ça donne maintenant l'autorité sur la femme parce qu'on vote, vous comprenez, et on promulgue de degrés de loi qui peut faire en sorte que non, la femme a pris une place qui dépasse la femme, la place de l'homme. Vous comprenez, on a commencé par les 50-50, mais ça a dépassé maintenant les 50-50. C'est maintenant, aujourd'hui, si nous regardons, la femme a peut-être 60-65. Et on a quitté la femme, on avance maintenant vers les animaux. On dit aussi que nous puissions être égaux avec les animaux. Pourquoi? Tout ça, ça fait partie de la marque de la bête qui a commencé ici dans Genèse chapitre 3. Est-ce que vous comprenez? Quand le malin est venu pervertir, vous comprenez là, il est venu avec sa perversion. Voilà, Dieu a déjà dit. Quand l'Éternel Dieu dit, Apocalypse chapitre 22 nous dit, n'ajoutez ni ne retranchez de peur que vous ne mouriez, si je peux coller ça avec Genèse chapitre 3. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, si vous ajoutez, si vous retranchez, c'est la mort. Et personne ne viendra vous sauver. Voilà. Et le malin, quand il est venu, remarquez. Frère Branham dit, le diable fut un bon religieux. C'est lui le premier prédicateur. Vous comprenez, beaucoup de prédicateurs font le rôle du diable. Je dis beaucoup, 90 quelques pourcents font le rôle du diable aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, dans les derniers jours, viendra le moqueur. Vous comprenez, les ravisseurs, de faux bergers, si on peut parler, ça passe. Tout ça sont des écritures. Vous comprenez? Voilà, les faux ouins, les faux Christ, ils feront beaucoup de miracles et des prodiges. Si jusqu'à séduire, s'il était possible, même le gelé. Ce que vous comprenez? Pourquoi le Seigneur nous en a avertis d'avance? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, la perversion va atteindre son aboutissement. Donc, cela veut dire va atteindre un niveau plus élevé. C'est pourquoi on en a beaucoup dans des chairs aujourd'hui. Comme j'ai lu quelque chose dans Facebook, quelqu'un qui disait non, dans la statue de quelqu'un, qui disait que non, plusieurs églises, surtout en Afrique, mais les gens souffrent. Et cet ami-là, il est en France, lui, il parlait qu'il y a beaucoup de pasteurs kassaïens au Congo, mais les kassaïens souffrent. C'est un ami, et il est un musicien, vous comprenez, donc il est en France, je ne sais pas si c'était simplement le nom, c'est un ami qu'on a grandi, on a fait la musique ensemble, vous comprenez, et j'ai lui sali. Voilà, je salue aussi d'autres amis là-bas, qui sont là-bas, et en Europe, partout en Afrique. Je vous aime beaucoup, ceux qui sont devenus des serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, on avance. Cela veut dire un prédicateur, quand toi tu restes avec la doctrine de là où que tu as commencé avec ton père spirituel, parce que c'est la source, si on va mettre dehors, on va te retirer de cette église, ainsi de suite, là, voilà, nous n'en avons pas de père spirituel. Moi, mon père spirituel, c'est le septième ange, vous comprenez? C'est lui qui est la colonne de feu, Elohim, voilà. Donc c'est lui mon père spirituel, donc lui, il ne meurt pas. Donc, voilà, il s'est translaté. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il s'est translaté. Il a changé de forme. Et quand il vient, quand je lui écoute, il est là avec un corps glorieux. Voilà, donc, je n'aime pas parler de ça parce que vous allez me voir comme si... Donc, vous n'allez pas comprendre de ça. C'est ça où réside ma foi. C'est un peu compliqué là. Donc, parlons de ces choses ici. Je ne vous parle pas comme des bébés. Je veux que vous puissiez quitter l'état de babysitter. Vous comprenez, pour devenir des enfants dignes à brouter l'os. C'est l'âge que nous vivons. Vous comprenez, des fils et des filles. Voilà, qu'on donne la responsabilité. Alors, le premier prédicateur, je dis bien le premier, Adam était le prophète de Dieu. Dieu lui a établi un prophète, c'est Dieu dans la chair humaine. Est-ce que vous comprenez? Je parle d'un prophète majeur. C'est pourquoi nous avons dit ça au début du Seben de notre chanson. Un prix à payer de notre nouvel album, ça reste toujours un nouvel album. Vous comprenez? Voilà, nous avons parlé que le premier Adam avait écouté sa femme. Et cette prédication que le premier Adam avait écouté sa femme, et étant un prophète de Dieu, elle savait que cette femme ici, elle est déjà séduite.
Mais comme elle était une partie sortie de lui, c'est lui qui a sauvé sa femme. Comme Christ a sauvé l'Église. Parce que si elle il n'avait pas voulu écouter sa femme, vous comprenez, sa femme allait mourir. Vous comprenez? Et Dieu allait pourvoir une autre femme pour elle. Donc c'était Adam qui a sauvé. Vous comprenez? Vous, femmes, qui élèvent vos épaules, souvenez-vous de ce que je voulais dire ici, vous comprenez déjà. Voilà. Donc on peut prendre ça à l'église, au mariage. Vous comprenez? C'est vice-versa. Maintenant, le malin, c'est lui qui est venu avec la perversion. Vous comprenez? En interprétant mal les Écritures, Dieu a-t-il réellement? Vous comprenez? Si nous entrons grammaticalement à essayer un peu d'analyser cette phrase, là, vous allez voir que, donc cela veut dire, il a contredit Dieu. C'est ça même l'Antichrist aujourd'hui, comme les gens le font dans des églises, dans des amphithéâtres, que vous en avez plein dans des capitales africaines. Vous comprenez? Même dans d'autres capitales européennes comme la France, la Belgique. Vous voyez donc, les gens ont profité de la tolérance pour égarer à que peu qui prennent soin des âmes de Dieu. Vous voyez, donc on termine déjà. Voilà, cette perversion, ça a pris place au premier prédicateur. Et ce religieux-là, quand il était venu, il n'a rien d'autre pris comme les gens qui se tiennent derrière la chaîne, ils prennent la Bible, la parole de Dieu. Il a pris la Bible de Dieu. Il a pris les saintes écritures, l'ainsi dit le Seigneur. Vous comprenez? Et Adam était absent. Il est venu dans l'église où Adam était prophète. Vous comprenez? Faites attention quand vous laissez quelqu'un d'autre de prêcher derrière votre chair. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va communiquer. Il peut parler de bonnes choses en interprétant ce que dit le saint prophète. Mais son esprit à lui, l'esprit est plus puissant. Vous comprenez? Son esprit peut communiquer quelque chose. Vous comprenez? Donc voilà. Bon, on peut parler de beaucoup de choses sur ça. Donc, c'est ce qui se permet entre eux qui se connaissent et d'autres qui ne connaissent pas. Faites attention. Voilà. Et le malin, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Comme les hommes qui viennent à l'absence du mari d'une femme. Vous comprenez? Comme d'autres musiciens ont fait, d'autres musiciens, les autres ont perdu même leur vie. Vous comprenez? Ils ont l'esprit des malins. Vous comprenez? Vous connaissez les gens qui sont en train de parler ici. Voilà. Prendre la femme de quelqu'un, c'est tuer cet homme-là. Vous comprenez? Vous l'avez déjà tué et vous n'êtes pas Caïn, mais vous êtes Satan lui-même, Lucifer. Vous comprenez? Donc, frère Bana me dit, quand ton frère n'est pas là, tu ne peux pas aller là. Quand tu ailles dans sa maison, il n'est pas là. Il ne faut même pas prendre plus d'une minute. Il faut moins d'une minute, ça veut dire saluer, demander la santé, demander où est parti le frère, et puis retourner. Il ne faut même pas prendre ta chaise et s'asseoir. Le diable peut se servir de toi. Voilà les messages que nous avons reçus. Mais nous avons vu aujourd'hui, les gens le font spirituellement, ils prennent les femmes, les frères, vous comprenez, ils couchent avec eux. Laisse-moi dire ça, vous allez m'excuser. Il faut que je dise ça clairement, vous comprenez? Et d'autres le font charnellement et vous les connaissez comme les vedettes de ce monde, comme les gens qui aillent dans des maisons qu'on leur dit « Va faire ça, va la femme de ton frère, de ton ami, ainsi de suite, pour prendre l'influence qui est en lui, pour retirer, soutirer ses bénédictions et dominer sur lui et lui laisser pauvre, malheureux. » Vous comprenez? Tout cela... La source est venue ici, au premier prédicateur, il a commencé avec la parole de Dieu, ici avec les choses spirituelles, que vous vous témoignez, que vous dites que non, c'est Dieu. Oui, c'était la parole de Dieu, mais pervertie. Vous comprenez? Voilà, cela veut dire la vérité rencontrée de travers, déformée, mal formée. Mal formée, vous comprenez ça? Donc c'est ça. Ce que nous venons parlons ici, on termine déjà, cela veut dire de la perversion. Et celui qui l'en a commencé fit un grand prédicateur. C'est le diable. À l'absence du chef de cette église, la première église c'était Ève. La femme dans la Bible c'est une église. Toutes vos églises que vous voyez sous soleil ici, ce sont des femmes spirituellement. Vous comprenez? Parce que ce sont des arbres.
Vous comprenez? De la connaissance du bien et du mal. Femme, les églises, quand vous entrez là-bas, si le bien ne sort pas là-bas, c'est le mal. Et aujourd'hui, ce n'est pas ni le bien ni le mal, mais c'est le mélange du bien et du mal. C'est ce que le Seigneur rejette dans Apocalypse chapitre 3. Vous comprenez? Cette église déchue par le monde, séduite par le monde. Vous comprenez? Ça a commencé ici, cette prédication dont le prophète a prêché. La perversion. Comprenez? Voilà. Donc, pervertir. Donc, c'est ça. Voilà. C'est là les églises d'aujourd'hui qui mélangent le bien et le mal. C'est ici que ça a commencé dans Genèse chapitre 3. Saisissez bien ce que nous vous disons. Vous comprenez? Ça ne vient pas au même. C'est l'Esprit qui parle au travers de nous pour que vous puissiez sauver vos âmes. Si pas le jugement est à votre pied, à ta porte, tu ne le quitteras pas. Vous comprenez? Et ces gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils sont les prédicateurs d'Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 20. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur leur reproche? Il dit, je ne veux pas l'état lequel que toi tu es. Voilà. Donc, toi, cette église, la déchue de Laodicée, ils sont ni chauds, ni bouillants. Et pardon, ni froids, ni bouillants. Donc, ça veut dire, ils sont tièdes. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas une seule position. Frère Branham me dit, le Seigneur aimerait à ce que tu puisses rester froid. Ou soit tu puisses être chaud, lui. Vous comprenez? C'est pourquoi ceux qui aillent de l'autre côté n'aiment même pas se mélanger. Parce qu'ils ont pris, ils ont fait déjà de vœux. Et ils veulent rester là-bas dans leur vœu d'occultisme. Et quand il vient pour vous citer le nom de Jésus, c'est pour vous séduire. Vous comprenez, inciter votre intellect pour qu'il puisse prendre toujours la prééminence sur vous comme les politiciens le font. Vous comprenez? Et on a vu un politicien qui vient là-bas et dit, prie au nom de Jésus. Toi, tu pries au nom de Jésus avec les yeux ouverts. Mais voilà la perversion. Vous voyez ça dans des politiciens et dans des pasteurs qui l'aillent dans les mêmes sites, soit dans les mêmes endroits avec ces politiciens-là qui viennent pour vous séduire et vous rester là-bas. Nous vous disons de quitter et de venir ici pour écouter la voix pourvue pour aujourd'hui. C'est la voix de Dieu. Vous comprenez le message promis dont le septième ange est venu sonner de la trompette pour que vos âmes qui sont encore retenues dans des prisons puissent sortir, quitter la perversion. Parce que la perversion garde les humains. Vous comprenez toutes créatures qui n'ont pas entendu la symphonie de son temps. La trompette de l'ange, du septième ange, de rester là-bas captif dans cette perversion qui est l'enfer. Vous comprenez, vous resterez là-bas, vos âmes seront en prison. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes morts quoi que vivant, quoi que vous marchiez. Si vous voyez, cela, d'où ça vient? Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc voilà, c'est la raison pour laquelle les gens pensent qu'on est en train de critiquer les églises. Non, on ramène les choses ici, on voit dans le miroir de la parole que c'est la perversion et cela a commencé dans le jardin d'Éden ici avec un prédicateur religieux, le malin, le diable. Est-ce que vous comprenez? Voilà, une église séduite par le monde. L'église, la perversion a commencé ici, il a pris la femme de tout. C'est ce que nous avons lu jusqu'à la perversion 6 ici et nous allons expliciter ça le dimanche prochain, Dieu voulant. Vous comprenez? Donc c'est clair ici, le prédicateur s'est introduit à l'absence du prophète, le fils de Dieu, et il a commencé à enseigner la parole de Dieu d'une manière, cela veut dire déformée. Vous comprenez? Donc cela veut dire c'est la perversion. Il a perverti cela et l'Église s'est permis d'écouter les malins. Vous comprenez, ces prédicateurs religieux ici, comme nous voyons plusieurs prédicateurs religieux des églises, surtout ceux qui se sont dit réveils et ceux qui se disent pentecôtistes, qui prennent le nom de Jésus pour en faire de l'argent, de la popularité, ainsi de suite. C'est ce que le diable a commencé ici, avec quel nom Dieu a-t-il? Il n'a pas dit que non, ces créateurs-là, non. Il a précisé Dieu. A-t-il réellement? Posons-nous cette question, faisons des analyses sur ça. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, et aujourd'hui, il nous amène à
quoi, à l'égalité avec les animaux. C'est pourquoi il était venu en prenant un animal, le serpent. Vous comprenez? Ils veulent maintenant l'égalité et les gens sont dans l'égalité aujourd'hui. Vous comprenez ça? 50-50 avec, 50-50 avec les animaux. Vous comprenez? Et vous allez remarquer la descendance morale, la descendance, l'inconscience, l'immoralité. Vous comprenez? C'est ce qui règne aujourd'hui partout dans le monde. Vous comprenez? Et les musulmans qu'on croyait, les femmes qui s'habillent, les illuminatis sont allés même vers eux pour leur dire que non, si vous voulez que nous puissions visiter votre pays, venir faire du tourisme chez vous, tout ça, Dubaï, ainsi de suite, permettez aux femmes d'être comme ça. Et vous avez vu ça au Mondial de Qatar. Des femmes immorales qui étaient venues de l'Amérique, des pays américains, de l'Amérique latine, les latinos de l'Amérique, des USA, des Canada, comment essayer de l'Europe, des Angleterre, comment ils se sont habillés pour contredire leur religion. Vous comprenez? Et c'était bizarre. Pourquoi? Tout ça pour ramener ce qu'ils ont, c'est la perversion, la séduction. Et quand vous vous restez là-bas, vous dites, non, on est là, on nage avec des sous-vêtements. Est-ce que ça fait mal? C'est le temps quand même, il fait chaud. L'enfer fait plus chaud que le chaud de ce soleil ici. Vous comprenez ça? Et ce n'est pas éternel cet enfer, comme cela a été formé. Quand Genèse 3 a pris place, tout ce qui a commencé ici avec la perversion va prendre fin. Pour que l'éternité revienne à ceux qui se sont soumis à la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, on a beaucoup à dire. Nous allons continuer cela en commentant sur chaque chapitre le dimanche prochain ou soit jeudi soir par la grâce de Dieu. Je vous laisse le temps d'assimiler cela, de répéter ça même deux fois. Parce qu'on a prêché ça deux parties. Prenez première partie, vous écoutez et puis vous entrez dans cette deuxième partie et puis dormez avec ce que nous venons de parler ici. La perversion, c'est très, très, très important. Vous comprenez? Nous allons continuer avec ça. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bon dimanche chez vous. Shalom. Alléluia. Shalom. Wow. We are ending here. God bless you. Restez dans la paix du Seigneur. Bénissez vos familles. Bénissez les enfants. S'il vous plaît, le temps est mauvais. Essayez de comprendre ce que nous vous disons ici. Le temps est mauvais. Surveillez les enfants derrière les téléphones portables que vous achetez pour eux. S'il vous plaît, je vous en prie, parlez. Derrière les téléphones portables, surveillez vos enfants. Derrière les ordinateurs portables, surveillez vos enfants. Surveillez qui est l'ami de votre fille, qui est l'ami de votre garçon. Vous comprenez? Ne vous enivrez pas. Vous comprenez de l'argent qu'on vous donne avec les sociales de la France, Belgique, Allemagne, États-Unis, ainsi de suite, pour que vous puissiez donner des libertinages comme eux, ils ont fait à leurs enfants, qui appellent son papa Jean, qui appellent son oncle Romain. Romain était ici, maman, Romain était venu, le Romain qu'il parle, là, c'est son oncle. Vous comprenez, qui appelle sa mère Marthe. Est-ce que ce n'est pas normal, ça? Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Tout ça, ça vient d'où? L'égalité. Quand Dieu met l'inégalité, les hommes qui écoutent le premier prédicateur qui a amené quoi aux gens? Vous comprenez? L'égalité. Alors Dieu a mis l'inégalité. Que le Seigneur vous bénisse. On a beaucoup à parler sur ça. Nous allons continuer ça les jeudis soirs par la grâce de Dieu ou soit le dimanche matin. Mais je pense que nous allons terminer ça les jeudis soirs que le dimanche que nous puissions commencer l'invisibilité. Que Dieu vous bénisse richement. Bon dimanche chez vous. Restez dans la paix du Seigneur. Shalom.